Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu particulière. Je vais parler, un peu dur parce que parler des personnes qui ont un fort handicap et qui font des choses, mais vraiment, on va dire, extraordinaires. Même plus que moi, parce que même moi, je ne suis pas à leur cheville, hein, pour dire, il y a des personnes handicapées qu'on n'entend pas beaucoup parler, ni à la télévision, ni quoi que ce soit, mais ils ont un handicap très profond, mais ils s'informent tellement qu'il y a des choses. Et moi, j'ai dit cette vidéo à un internaute qui me suit un peu, ça fait pas longtemps qu'il suit, et moi, je l'ai suivi pas longtemps non plus. Grâce à un internaute qui m'a envoyé des liens. En mettant des liens, il m'a fait connaître cette personne. Et cette personne, moi, je trouve que franchement, je lui fais un coup de chapeau d'avoir beaucoup d'informations, de suivre mon actualité un peu, même que j'essaie de parler, par exemple, pour la chaîne 2, là, je vais vous mettre les liens dessus parce que vous faire montrer que je parlais de politique, mais pour l'instant. Avant de balancer tout ça, j'essaie quand même d'avoir les choses au point. Voyez. Donc, je ne sais pas, à la sauvette, c'est pas mon truc. Moi, je préfère, même si c'est long, mais bon, on dit toujours, plus c'est long, plus c'est bon. C'est ce qu'on dit toujours. Donc, voilà. Ça, c'est internaute que je vais en dédier plus. Et aussi, un autre internaute que j'ai pas beaucoup suivi, mais grâce à un internaute que je suis justement, là par contre moi je le suis aussi, il fait ce qu'il veut de ses vidéos, il a raison de faire ce qu'il veut, lui aussi il a les mêmes problèmes que moi, mais bon bref, on va prendre pas, tout simplement c'est que cette vidéo elle m'a touché aussi parce que c'est un jeune homme qui doit avoir je pense entre 10-11 ans, quelque chose comme ça, qui est à l'hôpital, il est tout le temps à l'hôpital, et presque tous les jours, on va dire, il est quasiment là-bas tout le temps. Et j'ai dédié ces deux vidéos-là à ces deux personnes-là, cette vidéo-là à ces deux personnes-là, parce que ces deux personnes-là, elles ont quelque chose d'extraordinaire, même que, voilà, je suis différent d'eux, tout ça. Moi, j'ai ma vocation, c'est mon travail chez DJ. J'ai rencontré une personne qui est malvoyante dans mon travail et je suis tombé en discutant avec elle. Voilà, ce n'est pas comme certaines personnes qui préfèrent dire, voilà, t'as un œil à droite, un œil à gauche, un monsieur de 130 ou tout ce que comme vous dites, des conneries comme ça. Et bien justement, ces personnes-là, elles ont plus de la jugeote intellectuelle que de la jugeote de petite, comme dirait Nicolas Sarkozy, de la racaille. Voilà. Bref, donc là. Donc, je vais dédier cette vidéo-là à ces deux personnes. Pourquoi? Parce que un handicap, un qui est au fauteuil roulant, l'autre qui est de même, mais sauf lui, je pense, hein, qui est au fauteuil roulant, je fais un point d'interrogation. Mais par contre, je confirme pour l'autre. Mais franchement, c'est des personnes qui se battent pour leur maladie, qui ne restent pas comme ça, qui préfèrent vivre. Et moi, je félicite ces personnes-là. Je ne félicite pas les personnes qui le descendent, parce que c'est vraiment une horribilité totale et incompréhensible de leur part, parce que eux-mêmes peuvent le devenir encore pire. Ça, c'est mon grand souhait. Franchement, c'est mon grand souhait. Parce que c'est mon souhait. Et ça, je sais que mon souhait va s'exaucer bientôt. Ça, c'est sûr. Et donc, voilà. Pourquoi des choses comme ça? Mais bon, voilà. C'est des gens qui ne comprennent pas qu'un handicapé peut vivre comme une personne normale. Différemment, mais normale. Donc, on peut même ouvrir des entreprises en tant qu'handicapé. Moi, j'ai ouvert mon association. C'est moi-même qui l'ai ouvert. Bien sûr, quand on ouvre quelque chose, on a le trésorier, on a le président et bien sûr, la secrétaire, le secrétaire ou la secrétaire, selon ce que c'est le poste. Donc voilà, moi j'ai ouvert mon petit truc, mais voilà. Donc maintenant je tourne, mais voilà.
que tourne autrement. Et voilà. Et moi, ces personnes-là, je les félicite quand même, même s'ils n'ont pas ouvert quelque chose. Mais on voit, ils ont ouvert au moins une petite chaîne de YouTube et je leur félicite aussi pour ça. C'est pour ça que je me suis abonné à cette chaîne-là. Par contre, ouais, je me suis abonné à cette chaîne-là, j'ai suivi un peu et j'ai vu ça, que c'est un petit jeune homme qui est battant. Donc il fait son petit truc. Donc je ne suis pas tout le temps, parce que de temps en temps je suis un peu occupé à autre chose, à essayer de créer avec le logepad mobile, parce que c'est avec mon mobile que je fais mon logepad. Donc j'essaye de créer à ma façon, de voir ce que je peux faire, de quoi, ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui va plaire. Donc j'envoie ça directement sur internet, direct, j'envoie directement sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'essaye de même si c'est mauvais, il faut que je vois par moi-même toutes les erreurs, toutes les failles, tout ceci. Donc voilà, je revenir maintenant sur ces personnes-là. Et bien justement, ces personnes-là, elles encouragent les gens que de les faire descendre, ceci. Et ça, franchement, des personnes qui ont des handicaps aussi lourds, ce n'est pas facile du tout. Moi, j'ai un handicap assez, on va dire, léger, mais ça peut être lourd à un moment à l'autre, parce que la vue n'est pas stable. Donc, les gens chez moi, qui est gênant chez moi, mais voilà. Et c'est pas pour ça que je n'arrive pas à travailler dans les platines. Ça, croyez-moi, si vous me laissez tranquille, vous me laissez bosser, croyez-moi, je travaille dans les platines. Donc, par contre, pour la vidéo où je travaillais moi-même avec les platines, dommage qu'elle ait été bloquée. Donc voilà, c'est les droits d'auteur, c'est comme ça, on peut rien. Sauf, bien sûr, si je paye la SACEM, là, ça va être directement, c'est débloqué. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu payes les droits d'auteur, plus on te débloque tes vidéos, et c'est là et ton droit de diffusion sur le web. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, parce qu'ils font toujours « j'aime pas ». Et ce qui m'étonne, c'est dans une de mes vidéos, je n'ai jamais vu de ma vie ça, mais j'en en reste quand même bouche bée. C'est des gens qui mettent que « j'aime pas ». Mais quand vous regardez leurs vidéos, j'aime, et vous regardez leurs vidéos par vous-même, vous verrez que c'est nul, chier, raté, nul, pourri, tout ce que vous voulez. C'est juste des personnes qui veulent se croire plus fortes, plus intelligentes que tout le monde. Ouais, j'ai 50 000 abonnés, ouais, j'ai 120 000 abonnés, j'ai 30 000 abonnés, j'ai 10 000 abonnés. Et en réalité, c'est des personnes qui n'ont rien dans le cœur. La seule chose qu'ils ont dans leur cœur, vous savez, c'est quoi? C'est l'unité totale. Par exemple, je sors un peu du sujet, mais bon, je explique. On me dit que c'est Kirby qui m'insulte, tout ça. Moi, je sais que c'est pas Kirby. Je sais que c'est pas lui. Voilà. Donc, c'est pas pour ça que je vais maintenant me mettre dans vos petites combines à 50 C. Non! 50 centimes, c'est trop cher, ça, encore. Pardon. Un centime, votre histoire. C'est un centime. Arrêtez d'emmerder vraiment le monde. Occupez de vos petites choses à vous, c'est tout. Pourquoi je parle de ces gens-là? Parce qu'ils sont plus différents de vous, et vous, vous êtes pire que une merde. Voilà. Et quand on dit que les personnes... qu'une personne a envie de créer quelque chose, a envie de se battre, a envie de faire des bonnes choses, c'est que vous ne serez pas capable de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout. Voilà, tout simplement. Et c'est quelque chose que vous ne serez pas capable. Tout ce que vous savez capable, c'est d'insulter, d'injurier, et ceci, cela. Sur n'importe qui vous allez jurer. Mais vous ne voyez même pas ce que vous faites à l'école. Je suis sûr et certain qu'au lycée, à l'école, c'est rien du tout, rien de terrible, je suis sûr que c'est pire, mais bon, bref, voilà, et là je vous dis hommage à vous deux, les personnes que je parle de vous, donc je ne cite pas les noms, parce qu'ils vont se comprendre eux-mêmes, voilà, tout simplement, les handicapés savent faire des choses aussi bien qu'une personne normale, voilà ce que je veux dire.
Et avant de vous quitter, je vais parler d'un véhicule qui risque de venir. On n'a pas encore la certitude du véhicule qu'on aura. Et ce véhicule sera dans mes mains, si tout va bien, dans mes mains entre janvier et février. Parce que je vous le dis franchement, avant, je vais jeter un œil sur une tire qui m'intéresse. Et moi, je sais ce que je veux, donc je sais déjà ce que je veux. Par contre, la vidéo sera filmée, la voiture sera filmée, le véhicule sera filmé, pardon. Le véhicule sera filmé, mais le véhicule, ce qu'il y aura sur le véhicule, c'est que on vous fera voir le véhicule beaucoup plus propre, beaucoup plus correctement. Bien sûr, voilà, je demanderai à mon ami de m'aider pour faire quelque chose, comme ça sera plus simple. Et voilà, tout simplement parce que c'est quand même un peu agaçant, tout ça, d'acheter des véhicules d'occasion en particulier et après vous retrouver avec une catastrophe totale. Et c'est pas mon but. Mon but, c'est d'avoir un véhicule, de travailler avec tout le temps. Parce que mon but, c'est de bosser. Il y a DJ Nono qui est avec moi. Lui, quand il fera une soirée, moi je travaille pas, bah, lui, il pourra prendre le camion. Tout simplement, on aura quelqu'un avec nous qui va nous emmener tout le temps. Parce que, vous savez, c'est pas facile du tout quand on avait un véhicule et après on n'a plus de véhicule, on n'a plus rien. Et donc c'est un peu gênant. Voilà, tout simplement, voilà. Voilà, allez, je vous embrasse tous et vous inquiétez pas, vous verrez tout ça au fur et à mesure. Et par contre, pour la vidéo la vidéo, ça y est, lundi, je vais envoyer le courrier. J'envoie le courrier à l'agence de transport officielle, c'est bon. J'envoie le courrier au transport. Et à partir de là, dans la semaine prochaine, je touche du bois. La semaine prochaine, normalement, on fait une vidéo sur les autobus. Voilà. Désolé pour le retard de toutes les vidéos qui se passent parce qu'il y a eu un problème. Donc le problème, je l'ai réglé. On l'a réglé. J'ai attendu. Hein. J'ai attendu comme tout le monde. Voilà. Et voilà, il n'y aura plus d'appropriés, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Donc les personnes qui insultent, bah, ils vont être barrés leur comment dire leurs commentaires vont être supprimés. Les personnes qui sont correctes, bah, ils resteront. C'était le normal, c'est rester normal et rester correct avec les gens. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est pas comme ça qu'on va emmerder le monde, parce que c'est en emmerdant le monde que vous prouvez qu'est-ce que vous êtes, tout simplement. Voilà. Allez, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Bye bye.